Lecture de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Psaume 93. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour du malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits applaudiront. Quand je dis « Mon pied trébuche », ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention! Prenez garde au levain des pharisiens ou au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez les yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Et lui répondirent 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Que le Seigneur te bénisse et te garde.
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. C'est par ces mots, mes frères et sœurs, que nous découvrons la lettre de Saint Jacques de ce jour. Une belle attention qui nous montre bien la rigueur de la discipline que le Seigneur emploie avec chacun et chacune d'entre nous pour nous faire sortir du péché. Le Seigneur est le Père par excellence. Il sait ce qui est bon pour nous et comment nous le faire atteindre. Il sait aussi ce qui est mal pour nous et comment nous en faire sortir. Et il fait tout cela en respectant notre liberté et notre volonté. Mes frères et sœurs, estimons-nous toujours heureux quand nous sentons le Seigneur nous punir pour nous être égarés, car c'est l'expression de son amour pour nous. Il ne veut pas qu'un jour nous soyons pour l'éternité en enfer. Alors, il met sur pied les meilleurs moyens pour que nous nous rendions compte que nous sommes en train de nous y rendre. Il dispose aussi sur notre chemin les meilleurs moyens pour gagner la vie sainte à laquelle il nous appelle. Cette vie sainte qu'il donne gracieusement à tous ceux et celles qui la cherchent vraiment. Alors, durant ce temps de carême qui va commencer, apprenons la vertu d'endurance. Gardons-nous de sortir du sentier du bien. Intégrons des parcours de carême en communauté et établissons des objectifs clairs dont nous vérifierons l'effectivité à la fin de ce pèlerinage avec le Seigneur. Frères et sœurs, en commençant ce temps de carême, suivons scrupuleusement les recommandations du Seigneur en évitant le discours des faux pasteurs, des faux bergers qui pourraient nous inspirer à faire un carême hors de ce que l'Église enseigne. Un carême paresseux, un carême de pacotille, un carême languissant, un carême qui ne portera aucun fruit pour le salut de l'âme. Le Seigneur nous met bien en garde dans l'évangile de ce jour en disant « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne comprenez pas encore? » Voyons, mes frères et sœurs, comment le Seigneur insiste sur notre manque de clairvoyance, notre manque de discernement. Faisons attention et inspirons-nous des saints qui ont fait le carême avant nous. Leur sagesse, leur illumination nous aidera à discerner le carême qui plaît à Dieu. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen.